Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète 1G, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple, envoyez dès maintenant à trois personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission, je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète 1G. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir Sylvain de place. Comment vas-tu Sylvain Bonjour Mathieu, je vais très très bien en cette fin de semaine. Et toi Bah Après. ça va, ça va, ça va. Écoute. Euh... Je sais pas si je peux me permettre de faire une blague, mais euh, deux places, on va parler de mobilité. Ouais, non, on l'a déjà faite, ou pas celle-là oh. Ah. oh, oui, beaucoup là. les voitures de place, euh, énormément, énormément. Et alors <laughs> les nôtres, elles n'ont pas deux, elles en ont trois, euh, mais on y était presque. D'accord. Bon, ben bah, écoute, euh, c'est pas validé, mais euh, au moins euh, on s'est donné un petit peu de liberté. Et est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, Sylvain, justement Qu'est-ce que tu fais alors euh, moi je m'appelle Sylvain Deplace, je suis cofondateur et directeur technique de TOLV, anciennement connu euh, sous le nom de Phoenix Mobility. Euh, petit mot sur TOLV, c'est euh, une entreprise de rétrofit, c'est-à-dire qu'on convertit les véhicules thermiques utilitaires en véhicules 100% électriques en nous adressant à un public plutôt de professionnels, que ce soit TPE, PME, euh, collectivités. Un okay. grand groupe également, voilà. Donc tout ce tout ce florilège là, et en tant que directeur technique, bah, j'ai à ma charge toute l'équipe de conception, euh, le produit euh, qui prennent la page blanche euh, réglementaire, réglementaire le contrat réglementaire, contrat du client, et qui arrive jusqu'au produit que l'on certifie et dont on va livrer les premiers véhicules en cette fin d'année. En résumé. Voilà. D'accord. Vous êtes sur une livraison des premiers véhicules, c'est-à-dire que euh, avant c'était que au stade de concept où tu peux nous raconter en 5 minutes l'histoire ouais. hein, de Phoenix Mobility. Je pense que ça intéresse vraiment tout le monde, pour le coup. Oui, de Phoenix Mobility jusqu'à Toll. Alors, Phoenix Mobility jusqu'à Toll, on s'est mis dans un contexte euh, global du rétrofit. Euh, en France, on a été créé en septembre 2019, euh, directement après nos études. Euh, donc, c'est l'histoire de cinq associés euh, fondateurs, essentiellement des ingénieurs, euh, sauf, euh, sauf Antoine, euh, qui naît de Sciences Po, euh, que tu connais. Euh... Et donc, en fait, on était au début dans un contexte tant technique que, que écologique, que réglementaire, qui était complexe. Constat écologique 1,3 milliard de véhicules sur la planète, c'est 16, aujourd'hui, qu'on dit 16% des émissions de CO2 sur Terre. Un contexte où on nous dit ben, il faut passer, faire une transition énergétique de, du secteur du transport, avec des propositions, l'unique proposition qui était jetez votre ancien véhicule, achetez du neuf électrique. Nous, on considérait que c'était un peu un, un gâchis de ressources, un gâchis d'énergie, et on a, voulu, on a voulu proposer quelque chose de différent. Et en fait, on tout de suite, on s'est proposé à voir l'époque technique. Donc, il y a eu les concepts technologiques qui sont venus, c'était les années 2019 à 2020. Et 2020, surtout, ça a été le changement de la réglementation. C'est-à-dire qu'avant ça, en France, on n'avait pas nécessairement le droit de faire du rétrofit, ou alors il fallait être dans un process assez compliqué qui demandait l'autorisation du constructeur, qui demandait euh, de faire ça véhicule par véhicule, unitairement. Et euh, on, a, on a pu arriver jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté, l'arrêté du 13 mars 2020, qui nous a permis, d'une part, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la réception en série. Donc, euh, pour euh, les moins techniques, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de devoir passer véhicule par véhicule aux mines, anciennement les mines qui s'appellent du TAC, et bien là, je passe un modèle avec Une configuration technique et après je pourrais produire autant de véhicules du même modèle. Qu'est-ce qui a poussé le changement réglementaire justement qu C'était qui... quoi l'argument au début de ne pas autoriser et qu'est-ce qui a changé Qui a impulsé ce changement là euh, Alors, euh, les arguments, ça c'est difficile pour moi de te répondre. <laughs> c'est pas moi qui ai écrit les lois au début. <laughs> les questions, il aurait fallu les adresser au gouvernement, mais ce qui nous a, on va dire, ce qui a le bon argument qui a fait changer, en tout cas, euh, ça a été l'urgence euh, écologique, ça a été du bon sens, avant tout. Ça a été la volonté de nouveaux acteurs à se lancer sur le marché euh, et de créer, un, créer une filière, en fait. De pouvoir dire aujourd'hui ce qui existe de manière euh, bricolée, hein, si on peut dire ça comme ça. Le Retrofit était quelque chose qui a été créé, qui vient des États-Unis, qui était bricolé. Nous, on veut que ça soit vraiment une filière industrielle, mais pour faire ça, voici les blocages que l'on voit. Une absence de cadre juridique, réglementaire même, plutôt on devrait dire, et on veut qu'on en, en crée un. Les arguments qu'on a poussés, euh, ça répond à ta deuxième question d'ailleurs, euh, donc on, ça je m'implique dedans, c'est nous qui avons poussé ça avec d'autres acteurs de la filière, euh, ça a été des aspects de coût, euh, proposer une solution qui est économiquement intéressante pour euh, les clients finaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Euh, C'est une notion écologique, comme je l'ai déjà dit. Euh, donc comme le gouvernement a quand, avait quand même et a toujours euh, une, une feuille de route euh, carbone, et, euh, diminution des émissions, diminution de la consommation énergétique, ça faisait du sens. Euh, et donc là-dedans, on a dû placer tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on a dû placer le gouvernement, euh, avec le ministère, la DGEC, on a dû placer des acteurs historiques, euh, comme les certificateurs, mais également les constructeurs automobiles, et éviter de faire de la concurrence déloyale. Qui était quand même aussi un, un, un verrou à l'époque. Pourquoi de la concurrence déloyale Si on parle sur ce créneau-là, les constructeurs historiques. Oui, mais sauf que euh, tu comprends bien que si on fait perdurer euh, la, des véhicules qui roulent euh, sur la route, c'est d'autant plus de véhicules et de clients qui n'achèteront pas des véhicules neufs, qui est le cœur de marché euh, de, des constructeurs automobiles. Voilà. Donc ils nous voyaient comme des concurrents. Euh, Indirect ou direct, qui pouvaient manger sur leur plate bande. Ouais, mais concurrent, mais pas concurrent déloyal. tu employé le mot déloyal. Il n'y a rien oui. de déloyal dans ce que vous proposez. C'était même plutôt novateur. Pourquoi eux Pourquoi eux ne se sont pas positionnés d'ailleurs sur ce créneau-là Alors, euh, voilà. pourquoi ils ne l'ont pas fait euh, et Eux, je pense que c'était un contexte qui, auquel ils ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire que, comment dire, l'industrie automobile, il faut comprendre qu'elle est vieille de 100 ans. Sauf Tesla qui s'est faite récemment, qui a mis un coup de jeune, mais l'industrie automobile, surtout européenne, est vieille de 100 ans. Et euh, culturellement, euh, c'est industriel et on pense véhicule neuf. C'est quelque chose d'assez complexe de penser le véhicule d'occasion. Et euh, pareillement, les constructeurs automobiles ont besoin de s'associer à des jeunes pousses, notamment, et à faire de la croissance externe quand ils veulent faire ça. C'est le pari qu'a fait Renault. Ça mène à la suite de l'histoire de, de Phoenix, Tolv. Euh, 2021, pour aller jusqu'à 2022, ça a été l'homologation, puis un partenariat avec Renault, que l'on a annoncé en, janvier, euh, pardon, en juillet 2022 de cette année, je mélange mes mois, euh, et dont euh, l'objectif, justement, c'est de pouvoir se positionner ensemble sur le rétrofit de Renault de Master. Mais là-dessus, ils ont voulu choisir un acteur de référence euh, du rétrofit pour les accompagner, et donc euh, ils ont choisi Tolv. D'accord. Donc là, ça veut dire quoi On peut en parler un petit peu Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh... oh bah Pour nous, c'est évidemment énorme. Euh, c'est un petit peu euh, l'idée de. Tu vois, on, on a toujours cette idée donc, quand on lance les startups David contre Goliath. Bah C'était extrêmement ça au début. Et aujourd'hui, on est en train de transformer David contre Goliath, en David et Goliath euh, main dans la main. Ouais. Donc euh, si tu veux, euh, l'agilité hein, de la startup qui fusionne avec la force du grand groupe avec sa capacité industrielle euh, que, que l'on va chercher euh, notamment. Nous c'est vraiment une concrétisation, c'est un tampon c'est aujourd'hui dire aussi que là où le rétrofit passait comme euh, historiquement quelque chose de, de bricoleur pas forcément sérieux ou a aussi un marché qui n'est pas très sûr de la technologie hein, le rétrofit doit faire ses preuves et eh bien là on a quand même un acteur référent de l'industrie de la mobilité qui nous fait confiance. Qui va jusqu'à croire dans ce que l'on fait et s'engager dans la démarche euh, et la pousser, c'est pour nous un booster, un booster énorme tant sur le plan de la crédibilité, euh, de la recherche de clients, mais également sur le plan opérationnel, c'est un véritable tremplin, et un accélérateur. Ok. Euh... Juste, question naïve, je prends le groupe Renault ou peu importe, 1-6 mmh. euh, maintenant. Euh, voilà, on imagine l'armada d'un G. Alors d'ailleurs, t'es un G euh... Alors, mmh. quoi T'as juste question à aparté. Ah, c'est vrai que je veux ne pas parlé. Moi, je suis de formation ingénieur génie électrique, voilà. formé à Grenoble INP, que... à Grenoble. Moi, je suis venu à Grenoble et j'y suis resté ensuite. Quoi. <laughs> Super, on met un tampon. Ah, bah, c'est peut-être là l'esprit de euh, ta localisation géographique, ton esprit un peu… Écolo, euh, ta fibre écolo, elle est peut-être venue de là. Mais voilà, on a mis le tampon. Mais les, gens, les gens vérifient, j'ai mis planète 1G, ligne éditoriale, j'invite euh, les gens maintenant, on va vérifier qu'on a bien. Hein, Vérifie, les... ah, tout à fait. Donc, euh, j'ai diplôme à l'appui, Grenoble, INP, <laughs> NCCUB, et effectivement, euh, ma fibre écolo est venue de là, puisque NCCUB, c'est l'école nationale supérieure de l'énergie, l'eau, l'environnement. Et là où j'avais une légère sensibilité en entrant dans l'école, j'en suis venu avec une vraie notion de, de mission quand j'en suis sorti. Euh, et c'est ce qui m'a euh, poussé à fonder euh, Tolve. D'accord. Bon, bah, très sérieusement, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui a fait dans l'école que tu as eu cette euh, fibre-là, justement Je reviens à ma question d'après. Euh, oui, oui, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu'il a fait eh ben, Je pense que c'est de la sensibilisation. Hein. Euh, vraiment, c'est tant dans les cours, les professeurs, que dans les élèves que dans, euh, qui, qui sont renseignés. Euh, Qu'en en fait, on va euh, commencer à apprendre sur un sujet de l'énergie, qu'est-ce que ça représente, euh, l'énergie électrique en France, qu'est-ce qu que ça représente, comment ça se produit, comment ça se distribue, quels sont les enjeux, euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus capable de faire ça, de mettre des liens de cause à effet derrière aussi sur notre civilisation. Et puis, euh, sensibilisation sur les impacts environnementaux de la, de la pollution quelconque, hein, qu'elle soit liée à l'énergie, qu'elle soit liée à la production. Et. Euh, et je pense que euh, quand tu mets toutes ces euh, liens de causalité et que tu vois que à la fin tu seras touché d'une manière ou d'une autre, euh, que ce soit euh, immédiat ou à plus long terme, bah, t'as pas d'autre choix que d'être euh, sensibilisé euh, et, euh, et surtout que tu, tu le sens comme une mission. C'est en fait ça, ça tombe sur toi et tu te dis bah, en fait aujourd'hui face à, à quand tu es renseigné, que tu sais que factuellement tu as un, un problème, un problème qui t'arrive, qui est là, hein, qui est en face. Euh, tu pas beaucoup de choix. Soit tu, tu ignores, soit tu sais, tu ne fais rien, soit tu agis. Et nous, on a décidé d'agir. Ok, c'est très... très profond ce que tu dis. Je reviens sur ma question d'avant. On, on va. Euh... On a, on, vous créez euh, Phoenix Mobility. Là, vous, parlez, vous avez parlé d'un partenariat donc, avec euh, Renault. Tu vois, je dis des bêtises, mais moi, je vous imagine euh, cinq dans votre euh, petit garage à la Steve Jobs ou j'en <laughs> sais rien. Et en fait, on vous, voilà, je regarde Renault, euh, les groupes Stylentis et qu'est-ce qui a fait que vous, vous y êtes arrivés aujourd'hui et que… Est-ce qu'il y a peut-être des projets chez eux qui sont restés dans les cartons, j'imagine, mais qu'est-ce voilà, qu qui mmh. explique que vous y êtes arrivés, vous en êtes maintenant et qu'un groupe comme Renault y croit en vous ils disent pas, euh, bon bah ok, les petits gars à Grenoble, ils sont sympas, euh, moi en six mois c'est réglé, je mets euh, 20 mecs dessus ou 152, euh, j'en sais rien, tu vois. Euh, alors, plus, plusieurs choses déjà adressées. On était effectivement cinq dans un garage au début, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, uh, Toll, c'est une entreprise d'à peu près 30 collaborateurs. OK. Donc il y a quand même de la force euh, intellectuelle, euh, qu'elle soit dans l'ingénierie ou de la vente, parce qu'en fait, on a quand même choisi de, de pouvoir un petit peu prendre toute les, la chaîne de valeur. Ingénierie, production, vente. Euh, cela étant dit, oui, euh, tu n'as pas tort, ils sont un armada d'ingénieurs chez Renault. Pourquoi ils n'y arrivent pas euh, Alors, euh, c'est une question d'inertie. Quand tu es 5, quand tu es 30, tu vas beaucoup plus vite que quand tu es 10 000 selon les sujets. Parce que, en fait, rien que plus. Quand tu as une masse en fait, d'individus à, à mettre en mouvement, c'est le même phénomène physique que je vais mettre pour la mise en mouvement d'une masse, hein, d'un véhicule. Plus ton véhicule est gros, plus il faut d'énergie, de puissance pour le mouvoir. Et c'est la même chose en fait avec les êtres humains euh, quand tu veux les mouvoir. Et donc, quand tu veux pouvoir changer une stratégie, tester quelque chose dans un grand groupe comme Renault, qu'il faut être en capacité de convaincre, fédérer et, euh, et placer les individus sur un sujet, ça prend beaucoup plus de temps. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est culturel. C'est-à-dire que Renault a, et les grands groupes, de manière générale, ont des processus de validation liés aux contraintes sécuritaires, juridiques et impacts chez eux qui sont tellement énormes qu'ils ont une rigidité, une véritable rigidité dans les process, euh, qu'ils essaient de casser hein, par ailleurs, euh, qui les empêchent, si tu veux, à mon sens, de, de, de penser différemment. Il y a eu des tentatives, on sait qu'en interne chez Renault, ils se sont posé la question, euh, à un moment, euh, d'évaluer le rétrofit. Et euh, leur retour était de dire euh, Nous, on n'arrive pas à voir l'équation économique, on n'arrive pas à la résoudre, parce qu'en appliquant un, comment dire, un, un référentiel normatif de vérification, validation, etc., qui est celui du véhicule neuf, puisqu'ils ne savent appliquer que celui-ci, et en n'arrivant pas à se reposer à la question de l'applicatif à un modèle proche de l'occasion, finalement, leur rétrofit. Mmh. Eh ben, en fait, il y a trop de dépenses, il y a trop de risques. Et dans un contexte où euh, on, on est en recherche d'une formule et dans toujours euh, perfectionner finalement une formule qui marche, ben, ils préfèrent perfectionner la formule qui marche, le véhicule neuf, et le prioriser. Oui, en même temps, je ne sais pas si on peut. Disgresser juste deux minutes. Enfin, personnellement, quand tu analyses le marché de l'automobile aujourd'hui, c'est devenu du délire. Les prix sont ont, ont explosé. La classe moyenne, euh, voire moyenne très haute, ne mmh. peut plus s'acheter un véhicule. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour pousser, euh, un peu comme sur le modèle euh, de la musique ou de l'appareillement locatif, mmh. tu vois, de dire de pousser à la location que les gens ne soient plus propriétaires de véhicules et fassent un peu ce qu'ils veulent avec enfin, je ne sais pas, c'est une industrie qui se tire une balle dans le pied, ou alors c'est fait exprès, comme je viens de le dire, pour pousser à de la, un modèle locatif. Euh, à fond, ou alors c'est complètement ubuesque. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, une voiture, euh, on est sur même une petite voiture, 25-30 000, et il faut, il faut voir ce que ça représente pour un, pour un ménage. Mm -hmm, c'est complètement mm -hmm. Alors là, je pense qu'on rentre dans un autre débat auquel euh, chacun portera de son avis. Je ne prétends pas être un expert de la stratégie des, des groupes automobiles. Euh, J'en suis pas. Ouais, j'ai bon, bon, dit que je disgressais. Mais euh, voilà, si je devais juste donner rapidement euh, mon analyse et les, enfin, en tout cas les, les éléments que j'ai pu... Entendre, écouter, que ce soit des prises de parole euh, publiques des, des constructeurs automobiles, hein, par Lucas Demeo pour, euh, pour Renault, euh, par Carlos Tavares, ou euh, par d'autres euh, personnes qui, sont permis de qui ont fait l'analyse à ma place et que je me suis juste euh, relu. Euh, très grossièrement, euh, en fait, euh, les, on pourrait, on pourrait euh, résumer le fait que les constructeurs automobiles sont un petit peu dans un cercle vicieux. Avec un contexte dans lequel il voit que, en tout cas en Europe, on fait un petit peu la guerre à l'automobile dans les dans les, les villes et que finalement, quand on cherche de la mobilité, les individus cherchent de la mobilité et pas nécessairement de l'automobile. On voit de plus en plus, on dit de faire du vélo, d'utiliser les transports en commun et de renoncer à la voiture. Ce qui veut dire que les seules dernières valeurs ajoutées. Que voient les, les constructeurs automobiles dans leur propre automobile, en tout cas la valeur ajoutée perçue de leurs clients, et la façon dont ils analysent, c'est le confort, le statut euh, social. Et en fait, fort de cette analyse-là, ils essaient de se positionner sur ces marchés-là. C'est la stratégie qu'a pris notamment le groupe Stellantis avec Peugeot. Peugeot est devenu une marque voulue premium euh, sur, sur sa marque française. Et aujourd'hui, c'est la stratégie que, que Renault euh, assume hein, vouloir, vouloir placer. Euh, en plus de cela, on l'a bien vu dans les récents événements, il y a une augmentation des coûts, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient euh, sur les matières. Et euh, des stratégies de positionnement premium qui permettent de pratiquer des prix plus élevés permettent justement d'encaisser mieux euh, ces éléments-là face à des stratégies qu'on dit de généralistes, où en fait on va être du, sur du cost killing, et chaque centime compte. Et dès que vous avez une augmentation de quelques centimes, potentiellement c'est votre business euh, modèle complet qui tombe à l'eau. Donc, euh, c'est vraiment une, ces éléments-là qui ont poussé les constructeurs automobiles à se placer là-dedans. Et euh, à mon sens, après, euh, il faut voir effectivement bah, les problèmes que ça crée d'accessibilité à l'automobile pour un bon nombre d'individus, mais aussi les opportunités qu'il y a derrière, parce que ça peut laisser la place à des nouveaux arrivants, comme nous, sur des propositions différentes, comme le rétrofit, qui se veulent moins cher, ou euh, des, euh, de la, des solutions de micro-mobilité. Euh, et de, et de et ce florillage qu'on voit un peu arriver aujourd'hui, des véhicules qui sont entre le vélo et la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule entre la vélo et la voiture, par exemple bah, Tu vas avoir en fait, ce qu'on appelle des quadricycles. On a, euh, on des... Ah, ça fait débat en ce moment, il y a les fameux tuk-tuk euh, qui sont à ah, pédale. Oui. Euh, tu vas avoir des véhicules, de, Gupil, par exemple, que je peux citer, qui font, euh, qui font des, quadri... des sortes de quadricycles lourds à moteur, euh, qui sont utilisés par les mairies. Euh, qui sont véhicules limités à 50, 60 km/heure qui peuvent transporter une charge de 500, 600 kg, sont adaptés à de l'entretien urbain par exemple. Euh, je fais un peu de pub à mes concurrents au passage. Euh, tu, tu as euh, des tricycles et d'autres éléments comme ça. Je pourrais pas tous les citer, euh, je pense que... Non, 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 mais d'accord, mais c'était pour euh, visualiser un petit peu, euh, mm -hmm. mais pour rebondir ce que tu disais un petit peu sur la, la voiture. Ouais, c'est clair qu'il y a un nouveau modèle qui se dessine. De toute façon, c'est clairement, euh, aujourd'hui, et... aujourd on est sur encore sur, fin, on est sur une, on, était, on a été sur un grossissement de la taille des voitures, etc., avec euh, l'argument sécuritaire et du volume mm -hmm. de transport. Et euh, en fait, on, 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 on se rend compte qu'on a besoin d'une mobilité euh, pour réduire plus légère. Euh, plus légère. Et euh, l'argument euh, de dire, bah oui, mais quand je pars euh, longtemps, euh, une semaine ou deux ou trois ou quatre, euh, en vacances en famille, bah, dans ce cas-là, tu, tu loues une, un véhicule adapté. Et je pense qu'on va venir sur ce, sur ce modèle-là, des, des, des plus petits véhicules, moins chers, ou... et puis peut-être louer, enfin, j'en sais rien. Si tu veux, la, la, la réponse, elle est euh, certes, elle est du côté des constructeurs automobiles dans les produits qu'ils qu ont, mais elle est aussi du côté de, de l'usage des clients. Ça, c'est un tout à chacun de revoir son monde opérationnel. Moi j'en compte encore plein de personnes qui disent, bah je suis désolé, mais moi j'ai je prends... Euh, j'ai vu des, des commentaires très très pertinents qui disent euh, écoutez, moi si je demande beaucoup d'autonomie, c'est pas parce que euh, j'en ai besoin, je sais très bien que j'en ai pas besoin 90% du temps de l'année, mais moi je prends qu'un seul véhicule, et j'ai besoin que mon véhicule fasse tout. Point. Et donc du coup je le dimensionne par rapport au plus grand. Euh, et, et cet argument-là, moi je considère que dans l'usage des, des individus, à moins d'avoir une refonte profonde de leur façon de fonctionner, hein, de partir en vacances, de réfléchir comment ils font le voyage aussi, hein, est-ce qu'on part en vacances au euh, un endroit, avec la même temporalité, aussi loin, enfin, c'est bien plus profond que juste une notion de mobilité, c'est une question euh, vraiment de, de façon de vivre, de façon de par exemple vivre ses vacances, euh, et bien là on ne pourra pas repenser les transports. Dernier truc que je voulais dire sur les stratégies des, des, des automobiles, tu parlais des éléments financiers et la poussée à la location. Alors, on a vu récemment et c'est effectivement une stratégie que, que des constructeurs automobiles prennent euh, et pas que en fait, de pousser le modèle euh, financier et euh, le business model euh, de, des produits vers un modèle locatif. On l'a vu avec les les LEA, on l'a vu enfin les LOA, les LLD sur les véhicules, mais tu as de plus en plus de choses maintenant qui sont euh, plus sur de la propriété par l'individu l'individu en fait va, va posséder de moins en moins de choses et va en louer de plus en plus, c'est le cas avec notre musique avec Spotify, et Deezer, c'est le cas avec nos, plus ou moins nos médias et les films, avec Netflix ouais. euh, et Youtube et euh, ça a déjà commencé avec les véhicules avec les LLD et les LOA et on pourrait même ouais, mais... les penser demain, euh, ouais. aller euh, là-dessus oui, les lois, le ouais, excuse-moi, ouais, excuse je t'interromps, mais c'est un, un montage financier euh, pour se faire encore plus de blé. Enfin, c'est bah, des taux d'intérêt cachés de, de ma mammouth. Ah, c'est pas dans une volonté de mettre à disposition des véhicules à tout le monde, enfin euh, pas à tout le monde dans le but de monter, mais toi, de mettre à, des, à, à disposition des véhicules dans, pour respecter un budget des ménages. Il y a une volonté de ouais, y a une volonté de faire du blé derrière caché. Donc là je me fais un peu l'avocat du diable, mais. Bien sûr. Voilà. j'ai envie de dire que c'est le cas pour pour toute entreprise au final c'est de prendre le modèle modèle opérationnel qui lui permet enfin malheureusement hein, de, de pour la plupart des entreprises ça reste de prendre le modèle opérationnel qui ouais. permet de générer le plus de bénéfices ouais. euh, et aujourd'hui euh, les constructeurs automobiles en regardant ce qui se fait dans les autres euh, dans les autres marchés hein, mais au dehors du de l'automobile euh, prennent une vague en fait ne font que prendre une vague on voit notamment euh, je crois que c'est mercedes qui a annoncé faire de ce qu'on appelle de la microtransaction. Euh, maintenant, tu vas payer euh, chaque mois pour avoir le droit à certaines options dans ton véhicule. Ah oui, d'accord. Okay. Qui vont activer/désactiver en fonction de ton paiement. D'accord. <laughs> Personnellement, ça c'est un avis purement personnel. Je trouve que c'est une aberration tant sur le plan écologique, financier et accès à la, au, euh, que ce soit au confort ou aux besoins de mobilité des individus. Mais ça, c'est purement personnel. Euh, voilà, après, c'est une question de, de. Chacun des acteurs trouve des réponses différentes pour, pour son bénéfice, pour l'augmentation de son bénéfice, mais je pense aussi, il faut le comprendre, pour une question de survie de cette filière qui est vraiment en pleine reconversion. Ouais, je comprends. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à trois personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. En plus, voilà, l'auto, il y en a qui voudraient la voir disparaître. Moi, j'y crois pas. C'est un, un élément de liberté sur lequel l'être humain ne reviendra pas, je pense, pour, dans sa mobilité. Et on est, on est très contents de tous avoir ça. Ça nous fait une petite transition vers la mobilité électrique. La voiture électrique, mmh. en tant que ça, bon, on inverse un petit peu le. le, le... Mmh le déroulé, on, on, on reparlera du rétrofit, parce que moi, ça m'intéresse techniquement, du rétrofit des véhicules, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est, on expliquera tout ça dans une deuxième partie. On va continuer sur la mobilité électrique. La mobilité électrique, aujourd'hui, elle est importante d'un point de vue euh, climatique. Peut-être que tu veux en dire un mot là-dessus. Oui, que, de ton point de vue. Mais voilà, la mobilité, elle, elle est importante d'un oui. point de vue euh, lutte contre le réchauffement climatique. Oui. Euh, ou pas d'ailleurs, on va attendre ton point de vue. Et en fait, du coup, on embrayera sur euh, les objections courantes qu'on entend aujourd'hui dans la presse sur la mobilité, oui. euh, sur les véhicules électriques. Et puis voilà, c'est donc peut-être la première question c'est quoi, euh, euh, pourquoi aujourd'hui euh, transposer une partie de la flotte euh, véhicule thermique vers électrique, c'est important d'un point de vue climatique Alors euh, bon, je vais je vais parler en étant convaincu puisque je travaille euh, en partie dans le véhicule électrique, en faisant du rétrofit euh, donc. Euh, force aux auditeurs de se faire un avis eux-mêmes et de vérifier les, les, les sources que je vais citer. Hein. Euh, moi, effectivement, je suis convaincu que le véhicule électrique a une part à jouer dans euh, cette lutte contre le, le changement climatique. Je ne vais pas vendre en disant que c'est la solution miracle. Ça, ça serait, ça serait être malhonnête intellectuellement. Euh, je suis personnellement... personnellement euh, persuadé que euh, par exemple le véhicule électrique n'est pas la solution pour euh, les déplacements euh, boulot-maison, euh, boulot par exemple, et que je vais être le premier à vous dire si vous le pouvez, utiliser le transport en commun et le vélo euh, pour ces éléments-là. En revanche, il faut regarder après les chiffres, il faut regarder aussi les applications. Il y a deux, deux facteurs que je veux donner c'est les usages, ce dont je parlais en donnant l'exemple de l'usage mobilité-maison-boulot. Ouais. Et faut regarder ensuite les chiffres sur des analyses de cycle de vie complet. Alors, ça doit parler aux, aux gens qui sont ingénieurs, un petit peu moins à ceux qui ne le sont pas. Euh, une analyse de cycle de vie, c'est regarder sur la, la vie complète d'un produit, que ce soit sa conception, sa production, son usage et son, bah, son, comment on va dire, sa, sa mise au rebut, qui la plupart du temps maintenant va être revalorisée, euh, ce que le véhicule va euh, produire en termes de, de pollution, ce qu'il va consommer en termes d'énergie. Euh, et quand on regarde et qu'on parle de pollution, on peut parler de différentes pollutions. On va pouvoir parler de pollution de l'air, on va pouvoir avoir des indicateurs qui sont effectivement le CO2 ou les particules fines. On va regarder la pollution des sols, on va regarder la pollution des eaux. Et ça, ces analyses de cycle de vie complètes, elles ont été réalisées. Ce n'est pas moi qui les ai faites, je m'appuie que sur des éléments qu'a qu qu a proposé l'ADEME. Euh, on a notamment une, une, une analyse de cycle de vie qui a été publiée donc, en 2012. Euh, je je n'ai pas retrouvé une version mise à jour euh, aujourd'hui, euh, qui a été sur la comparaison entre les véhicules diesel, essence et véhicules électriques. Euh, qui était donc alors à l'époque sur le marché et les projections que l'on voyait en termes d'augmentation de la capacité de la batterie, d'accord Vous comprendre ça. Euh, qui a pris quand même beaucoup de critères et qui a regardé en Europe avec un mix énergétique euh, de l'électricité européen, ce qui veut dire les centrales nucléaires de France mais aussi les centrales à charbon de Pologne, euh, dans la grille, euh, à quel point l'un ou l'autre était euh, le moins mauvais. Et je choisis et précisément ces mots les moins mauvais, parce que si l'on pense qu'un produit n'aura pas d'impact écologique, on se trompe. La neutralité carbone, c'est un, un peu fallacieux euh, de dire qu'on peut faire zéro et qu'on a zéro impact. Tout aura un impact. La question, c'est de le minimiser. Et je vais aller directement à la conclusion. Euh, L'étude fait 286 pages, que je vais résumer en une ou deux phrases, donc vous vous doutez bien qu'il euh, est intéressant de le lire. En prenant tous les indicateurs que j'ai mentionnés, d'accord, on considère que euh, sur une, le cycle de vie global de la voiture électrique, production, euh, utilisation euh, et euh, recyclage, versus euh, la voiture thermique sur cette même phase d'utilisation, certes, si la voiture électrique va plus polluer à sa production, elle n'émet quasiment aucune pollution euh, pendant l'usage et il y a effectivement quelque chose d'assez euh, fort aussi au recyclage. Et, en réalité, si vous avez prévu avec votre véhicule de l'utiliser pour plus de 100 000 km dans sa vie, d'accord Et bien là, il vaut mieux choisir un véhicule électrique. Dit différemment, et il faut le mettre de manière visuelle, quand vous allez acheter un véhicule, si vous l'achetez, dans votre projet d'achat, vous posez la question entre l'électrique et le thermique qu'est-ce qui va être le plus écologique Posez-vous la question de votre usage et combien de temps vous allez le garder. Si vous savez que vous allez rouler très peu avec ce véhicule, euh, ben en fait peut-être que c'est pas intéressant d'avoir le véhicule électrique mais si vous savez que ce véhicule dans sa vie complète même en le revendant etc parce qu'il sera aussi il partira dans les véhicules d'occasion il, il va rouler plus de 100 mille km alors le véhicule électrique aura une empreinte euh, écologique plus faible et sur, le, et le le, le, ouais, sur la durée, y avait, ouais. selon la taille du véhicule électrique, j'avais vu les petits véhicules, petits, petits mmh. types zoe c'est plutôt 40 000. Quand on passe sur euh, un suv électrique, on arrive à 100 000. Il y a une échelle quand même. Euh... Alors moi, je donne une moyenne, hein, d'accord Oui, ouais, euh, d'accord. mais il y a une échelle. Il y a ouais. une échelle, et je vais le dire très grosse maille, mais aujourd'hui, n'importe quel véhicule sur la route, on sait que. Il, à moins d'être accidenté, bien sûr, il parle jamais à la casse avant d'avoir fait 150, 200, 250 ouais, bah 000 oui. km. Donc, j'ai donné une barre à 100 000. Force est de constater que le véhicule électrique aura une empreinte écologique moindre que le véhicule thermique sur sa durée de vie complète. Mais sur, euh, on va, ça fait une bonne transition vers les batteries, justement. Mm -hmm. euh, le sujet des batteries euh, 100 000. Comment mmh. on fait Parce qu'en général, elles sont garanties euh, une certaine durée de vie. Oui. Donc là, c'est un bon sujet. Donc, comment on fait avec la batterie, qui est un, mmh. un peut-être un des pollueurs euh, les plus importants sur mmh. euh, la voiture mmh. Et puis, on aura, j'aurais d'autres questions par rapport à ce sujet-là, parce que c'est souvent les objections qu'on entend le plus. Mais voilà, oui. dans ce cycle de vie, à 100 000, à combien de moments la batterie, euh, est-ce qu'il faut vraiment euh, envisager un remplacement Est-ce que. Euh, voilà, pourquoi Bien les constructeurs. Oui, vas-y, dis -moi. Bien sûr. Euh, bon alors euh, pareillement, pas un spécialiste de la batterie en tant que fabricant mais je peux donner des concepts généraux euh, oui. globalement les technologies de batterie il y en a, y en a deux euh, nickel, nickel manganèse cobalt, NMC ou LFP, lithium, lithium fer phosphate euh, les deux ont des durées de vie différentes que l'on mesure soit en cycle ou en milliers de kilomètres ou en années et qui sont souvent attenant à des euh, à des, euh, quand ça, des années pardon euh, plusieurs choses à, à mentionner. La première, c'est que globalement, euh, NMC, c'est euh, 2000 cycles, 1500 à 2000 cycles en fonction des générations de NMC avant d'arriver à à peu près 80-75% euh, de l'autonomie originelle. Dit différemment, je vais pouvoir charger 75 fois ma batterie. Et au bout de 75, euh, pardon, 75 fois. De, euh, 1500 2000, à 2000 ouais. fois, et au bout des 2000 fois, il, il, elle aura perdu 25% de son autonomie d'origine. Si elle avait 100 km d'autonomie, au bout de 3000 cycles, elle en aura plus que 75 km d'autonomie. Après, vous faites la règle de 3 pour, pour recalculer euh, avec des plus grandes euh, autonomies. Ça, en termes d'usage, de 1500 à 2000 cycles, il faut bien comprendre qu'avec une charge. Euh, par, euh, par jour, d'accord Je vais me permettre de... On va dire qu'on l'utilise pas, tous les, pas tout, tous les jours et qu'on fait, je va arrondir à 300 pour la simplicité de calcul. Euh, ça représente effectivement uniquement 5 ans. 5 ans sur lesquels si tu as euh, 200 km d'autonomie à chaque charge et que tu l'utilises à chaque fois, d'accord euh, Tu fais un 200 x 1500, tu arrives à 300 000 km. D'accord Et ça, c'est quand tu arrives donc au 75%. Clairement, en fait, ce qu'on voit dans l'usage, c'est que personne ne recharge sa voiture tous les soirs, tous les jours de l'année, etc. Et surtout pas de 0 à 100%. Ce qui fait que généralement, on remarque, et les usages l'ont montré, euh, moi j'ai une collègue qui a acheté une Zoé d'occasion. Euh, en fait, elle a récupéré la batterie d'origine, a récupéré le véhicule à à peu près 100 000 km et elle s'est fait assurer euh, sa batterie par Renault. Euh, elle n'est pas encore arrivée aux 75% et elle a a priori encore 50 ans devant elle avant d'y arriver. Oui, donc c'est un, une fausse problématique et c'est, ça rentre en ligne de compte dans l'analyse du cycle de vie que tu disais. Euh, que tu ta... En fait, si tu veux, c'est euh, quelque chose sur lequel euh, on a. Je ne dirais pas que c'est quand même une fausse problématique parce que ouais. euh, justement, il faut toujours se poser la question et c'est vrai que c'est important d'être le plus optimisé là-dessus. Ce dont je parlais dans l'analyse de cycle de vie euh, auparavant, c'est qu'elle a été faite en 2012, on manquait clairement de données sur cet élément-là, mmh. c'était des, des hypothèses, et encore aujourd'hui on voit une filière de la, du recyclage de la batterie qui émerge alors, pareil, hein, beaucoup de gens disent la batterie ça ne se recycle pas, c'est pas vrai <laughs> c'est pas vrai, on sait recycler ah oui. une batterie, le truc c'est qu'on ne sait pas encore le faire à un coût suffisamment intéressant pour que les industriels se disent je vais arrêter de gratter la croûte terrestre Ok, alors là il faut qu'on s'arrête deux minutes c'est-à-dire que tu, même en vulgarisant le maximum hein, parce que ouais. Tout le monde euh, qui nous écoute va pas être spécialiste du sujet et moi le premier. Du coup, euh, oui. explique-nous un petit peu le, la batterie aujourd'hui. Tu nous dis oui, on sait recycler, c'est juste pas oui. économiquement euh, rentable. Donc en fait, l'argument dire oui, mais ça pollue plus la batterie. Après, on sait pas quoi en faire. Il tombe à l'eau cet argument-là. Alors, oui. explique-nous un petit peu du coup ce qu'on fait des batteries. Qu'est-ce euh, qu'on fait des batteries Il y a plusieurs choses qui se font déjà et, et d'autres qui vont se faire. De ce que, que l'on fait déjà, c'est qu'on réemploie. Donc on ne fait pas du recyclage, on fait du réemploi, ce qui est meilleur le recyclage, je tiens à le dire, des batteries dites mobiles et des voitures électriques dans de la de la batterie stationnaire, donc stationnaire qui ne bouge pas, et leur emploi est tout simplement faire du stockage d'énergie électrique, notamment en ce qui concerne les réseaux de d'énergie fluctuante, transitoire. Donc on va parler de l'éolien, du photovoltaïque, ouais, sur des applications sur des applications hors ou sur réseaux français. Ça va, c'est oui, c'est intéressant. Juste pour expliquer aux gens, hein, une énergie ouais. renouvelable, elle est intermittente. Donc des fois, on en a trop, on ne sait voilà. pas comment en faire. L'énergie, voilà. elle doit être consommée par le réseau. Donc, euh, quand elle est abondante, on cherche des solutions de stockage. L'usage des batteries, euh, des vieilles batteries, euh, justement, peut servir, pourrait servir à ça. Exactement. Voilà. Après, en ordre de grandeur, il hein, faut, faut comprendre que c'est un usage qui est intéressant, qui permet d'être notamment dans les applications locales. Euh, là, je vais digresser sur encore autre chose. mais euh, en termes d'ordre de grandeur, le, la batterie ne sera pas, n'est pas et ne sera, je pense, jamais le numéro un du stockage d'énergie stationnaire. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est l'hydraulique et, euh, et ça ben sera, oui. le sera peut-être encore demain. Euh, cela étant dit, donc, je reviens sur la euh, <laughs> question que tu me posais. Euh, donc, on fait du stockage stationnaire sur la batterie, ça se fait déjà, ça continuera à se faire demain. Ensuite, euh, il faut savoir que ce qui sera demain en Europe et ce sur quoi l'Europe le, est déjà en train de légiférer, c'est euh, avoir du réemploi, euh, donc du recyclage de batteries et que les nouvelles batteries dans d'ici 2030, 30, si je ne dis pas de bêtises, il y aura donc euh, c'est une loi qui est en cours de, de publication et qui aura différents steps, 2027, 2030, 2034, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui vont demander aux constructeurs, euh, cette loi va faire plusieurs choses, elle va demander aux constructeurs de batteries de faire un bilan ACV euh, et un équivalent CO2 euh, de leur batterie, euh, de manière à dire, au-delà d'un plafond de, 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 de CO2, vous n'aurez pas le droit de vendre votre batterie sur le sol européen. Et dans un second temps, elle demandera à ce que les batteries soient fabriquées avec un minimum de pourcentage de matière recyclée, donc de matériaux recyclés. Et donc ça oblige, ça va de facto obliger les constructeurs de batteries à essayer de récupérer la matière finalement. En fait, ce qui était avant du rebut du déchet va devenir ben, euh, de, la, de la matière avec de la valeur pour eux. Ils vont devoir, être, vont devoir penser à l'utiliser le, dans leur prochaine batterie. J'ai pu discuter, moi, avec les gens de Vercors, euh, donc, dont peut-être certains ont entendu parler. Je vais en parler en deux phrases. Vercors, c'est une scale-up, maintenant, on peut dire. C'est une entreprise française qui est née à Grenoble, juste à côté de chez nous, euh, et qui ont l'ambition de fabriquer, et qui vont fabriquer, une gigafactory, donc euh, une super usine de batterie à Dunkerque, et qui produira ses premières cellules d'ici 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ores et déjà dans la conception de cette usine et dans le traitement des déchets, ils, euh, ils ont une, une pensée assez holistique euh, qui, est un, qui est dirigée par, par Gilles Moreau sur, ces, sur cet aspect-là. Il est le directeur de l'innovation sur les aspects de recyclage de la matière entrante, le rebut de matière entrante, et mais également sur le recyclage de la matière quand les batteries reviendront chez eux. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont, qui sont au cœur des, des discussions chez les industriels. Et si je devais faire un parallèle, c'est le même débat qu'on avait eu à l'époque sur les panneaux photovoltaïques. Euh, ça ne se recycle pas, on n'y arrivera jamais, etc. Et en fait, euh, bah, il a fallu attendre un petit peu, euh, juste que tous ces panneaux arrivent en fin de vie et que là, on ait véritablement des, des acteurs qui puissent se placer sur le marché. Voilà. Dernière question de la première partie, après on enchaînera sur la deuxième partie euh, plus liée mm -hmm. euh, à, à Toll. Dernière question à de la première partie. Qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics pour euh, accélérer justement ce développement de la mobilité électrique oh, euh... en, une, en une phrase, parce que tu. En une minute. <laughs> ah, c'est dur, c'est dur de répondre à cette question. Euh, qu'est-ce qui manque Alors, qu'est-ce qui manque aux... enfin, Qu'est-ce que les pouvoirs publics devraient faire ou qu'est-ce qui leur manque pourrait à eux faire pour... mieux, faire mieux ouais. parce qu'on entend beaucoup de. Toujours les gens qui râlent après. Euh... Un gouvernement qui fait pas assez. Bon, je pense que n'importe gouvernement ne ferait pas assez pour les Français, parce que tout le monde aime bien aller chez nous. Mais voilà, il y, y a quelque chose qui pourrait être fait pour accélérer justement euh, cette, euh, cette euh, transposition, justement, vers l'électrique. Euh, C'est une bonne question. Je vais donner, je pense, une réponse un peu de technicien, à mmh. mon sens. Je pense que les réponses du gouvernement à base de, de subventions pour l'achat de véhicules sont déjà des bons... Euh, Enfin, servent à, à, à aider le client à, à, à franchir le pas. Il y a peut-être une notion d'inciter les constructeurs automobiles à, à baisser les coûts à nouveau. Le gouvernement, si je pense, s'y intéresse en ce moment. Et enfin, moi, j'irai diriger les éléments autour de l'automobile et de pouvoir être dans l'accélération des moyens de recharge, qui encore aujourd'hui sont un vrai frein à l'adoption du véhicule électrique en France et en Europe. Je pense que c'est là où euh, on a besoin d'une un, véritable légifération. Sur le... On a besoin de légiférer en, en France et en Europe sur ces acteurs-là, donc les acteurs industriels, de les aider à faire plus de recherche, mais également d'avoir un, un standard commun qui permette aux clients euh, de simplifier toute la tâche de, de, de recherche. Voilà. Ok, très clair. T'as une minute, c'est à même 30 secondes. c'est ton moment promo. <laughs> donc quel est le moment promo pour euh, Sylvain? Il y a des gens qui n'écouteront que cette partie-là de l'épisode. Donc, voilà, t'as ton, as ton voilà. instant promo. <laughs> 30 secondes, pitch elevator. Euh, et ben, un pitch elevator de Tolv euh, que je représente. Euh, Tolv, comme je l'ai déjà dit, c'est une entreprise de rétrofit qui convertit les véhicules thermiques utilitaires en véhicules 100% électriques. Nous nous adressons à une clientèle professionnelle, que ce soit TPE, PME, grand groupe ou même collectivités. Très concrètement, ce que cela veut dire, vous nous confiez votre fourgon on enlève le moteur et on vous le rend électrique. Tout cela en 48 heures, plus les frais logistiques, etc. Euh, et euh, aujourd'hui, nous avons annoncé un partenariat avec Renault pour des Renault Masters. Nous sommes aussi en, cap en capacité de vous livrer des Renault Trafic. Donc, euh, contactez-nous. Mes collègues de vente seront agréablement euh, contents de vous recevoir. C'est super, merci Sylvain. Euh, vous restez avec nous ou vous irez écouter les parties 2. Euh, je ne sais pas comment encore se feront les transitions. Donc euh, voilà, et on vous mettra les liens de Tolv euh, dans la description de l'épisode. Merci Sylvain. Merci Mathieu. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission. Newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.